invité sont au rendez-vous avec les Porsche du Team Chronos pour Grégoire Demévius et Jean-Pierre Mondron. Il y a les légendaires Ford Escort. Porsche le père qui dispose d'une Ford Escort. Après un thé réparateur, le rallye reprend ses droits et Christian Kelders fait rugir le Cosworth de sa Ford Escort qui occupe la cinquième ronde, occupée la cinquième place. La Porsche est précédée par la Ford de Christian Kelders. Son nom, le trio de tête ne bouge. Il y a une 6 contre là, sur la Porsche, mais on perd sur la montagne. 60 km, 26 secondes, c'est faisable. Dans leur duel père-fils, c'est finalement le fils Antoine qui s'impose face à Philippe et l'ambiance est festive à l'arrivée de marche du podium entre Christian Kelders et John Van Cohenberg. Et qui est assis, vous lui prenez 23 secondes, 32. 23 secondes. En moins de 2 secondes, la Porsche garde l'avantage sur la forme. Je sais pas. Après 3 virages, avec une bonne minute d'avance sur ses poursuivants, Paul-Émile Descamps maintient son Opel Manta à la seconde place du général. La poussière, c'était un peu compliqué. Grégoire Demévius et Gache, bon, ils ont eu des problèmes tous les deux. Bon, nous on a eu des problèmes, mais finalement c'est des problèmes mineurs par rapport à ce qu'ils ont eu. Yeah.
want to make sure we have no problems because we are going to keep pushing very, very hard. Absolutely fantastic. Ah, là, un peu quand même. J'aimerais bien retrouver les pistes d'antan. I love the country. What's better than this? Good stage.